J'ai écouté avec beaucoup d'attention Aristide. Il a suivi la campagne. Je pense qu'il a suivi dans la peau du supporter plutôt que de l'analyste qui essaie de se mettre à équidistance. Je vais prendre quelques paramètres simples. J'ai dit sur ce plateau, à plusieurs reprises, et ça m'a été reproché parce que ça devenait barbant. Au-dessus de Boaké, il n'y a pas de scanner médical dans aucun hôpital au-dessus de Boaké. Pour quelqu'un qui a suivi la campagne, je n'ai pas entendu de candidat dans cette zone-là, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales, au moins promettre ça aux populations. Ou alors, on est en train de me dire que la santé des populations, ça n'intéresse pas ces candidats-là. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, l'anacard est mévendu. Des populations brûlent leur production d'anacard à cause des prix qui ont chuté. Ou alors, s'ils ne les brûlent pas, ils essaient de trouver des moyens détournés pour aller les vendre au Ghana. Ce sont des sujets réels qui touchent ces populations-là. Je n'ai pas entendu ça dans les discours des différents candidats. À la place, j'ai entendu « je dors avec le président et si vous votez pour moi, je vais envoyer la route jusqu'à devant chez vous ». C'est ce que j'ai entendu. Je vais prendre un autre exemple simple. À Yopougon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se targuer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Jusqu'à ce que tout le monde bue, on décide... S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Guillaume, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute et puis on prend la peine de réagir quand la parole nous est donnée. Parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute-là, faire des pitreries, mais c'est pas sérieux. Non, pitreries, voilà. Je suis désolé. Donc, je vais vous aussi, vous êtes un peu méchant. Hein. Bon, messieurs, c'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. C'est pas méchant, mais c'est déplacé. Je vais continuer. Donc, terminé. Guillaume, on vous donne la parole ensuite. Terminé. Quand on regarde le visage de Yopougon, j'ai failli dire Guillaume, quand on regarde le visage de Yopougon, même si c'est tout comme, 5 ans plus tard, il n'y a pas eu de transformation structurelle, alors que M. Kafana est très proche du président de la République. Aujourd'hui, il est, je crois, directeur exécutif même de son parti. Ce genre de discours suranné-là, on doit pouvoir les faire évoluer. Mais vous posez une question qui est très pertinente, c'est que pourquoi est-ce que ça marche? Regardez les résultats du RGPH en 2021. On a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. On investit dans l'éducation. Parce que si on a une population de plus en plus éduquée, on aura des personnes qui demanderont des comptes à leurs élus. Famille, ce jeune, ce monsieur qui vient de parler là, il est en Côte d'Ivoire, hein, et puis il a parlé comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui là, ce sont les mêmes choses là que nous dénonçons. Mais nous là, on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Hein. C'est-à-dire, si tu es proche du pouvoir, que tu tiens ce genre de propos, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais lui, je ne pense pas qu'il est proche du pouvoir. Hein. Mais quand tu es proche de l'opposition et que tu tiens ce genre de propos, tu es foutu. Tu es foutu. C'est Maka, champion. C'est Maka. Lui, je crois que c'est un chroniqueur de Live TV, je pense bien. Donc, voilà, il peut parler. Hein. Live TV, on sait, c'est un chroniqueur de Live TV. Donc, il a tellement... Je crois qu'il avait trop grossi le cœur. Donc, il a tassé les papos. C'est la même chose que nous avons dit pendant les campagnes municipales. C'est ce qu'on a dit. Hein. On les a dit que RAGP était là-bas. Ils ont fait quoi? Rien du tout pour vous. On avait commencé à parler, à démontrer. Voici Michel Babo, voici ce qu'il va faire pour vous. Mais Michel Babo est parti, il a gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris RHDP là. Et puis ils sont allés installer ça, ils ont des forces. On a dit, eux là, ils ont force. Nous là, on ne peut rien créer. Ça dit, nous là, ils peuvent marcher sur nous. Et puis on ne peut rien créer. C'est ce qu'il y a dans les têtes. Ça, c'est le travail d'Alassane Ouattara. Sinon, lui qui vient de parler là. Il a parlé fort, hein. Il a parlé fort. Très fort même. Il a dit la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu fais la politique en Côte d'Ivoire, il suffit de dire, je suis proche d'Alassane Ouattara, au compte des votes. En réalité, on ne les a pas votés. Mais on les a nominés dans les régions et dans les communes. Là. On les a nominés, c'est-à-dire on les a placés de force. La CEI les a placés de force. C'est pas parce qu'ils sont élus, hein. Non, hein. C'est pas parce que les gens sont allés les voter, hein. Non, c'est la CEI qui les a placés. C'est-à-dire celui qui doit dire l'organe, tu dois dire... C'est telle personne qui a gagné dans telle commune, telle personne. C'est cet organe-là
qui les a placés comme ça, qui a dit, lui là, il a gagné. Adama Bitogo a été pilonné à Yopougon. Il a perdu largement face à Michel Babo. Mais Adama Bitogo a été placé à Yopougon par la CEI. Parce qu'ils ont les armes, ils ont l'armée. C'est tout. Avec l'armée de Côte d'Ivoire vendue, des militaires poltrons qui regardent tout faire à la San Ouattara. Juste, ils ont les salaires, ils sont assis dans les salons, ils sont à l'aise. Manger, femme, bière, c'est ça qui est dans les têtes militaires de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, vous voyez la réalité. Il a parlé fort et j'espère que nous ne vont pas le renvoyer de Live TV. J'espère que ce jeune-là ne va pas avoir des problèmes en Côte d'Ivoire parce que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il a dit la vérité. Il n'est pas comme les vendus de Bordeaux. Les vendus de l'autre là, comment ils s'appellent là, lui qui pleure beaucoup là. Le petit qui pleure là, comment il s'appelle le jeune homme là, le jeune qui pleure beaucoup là. L'artiste qui pleure, Kérosène. Voilà, il n'a pas été comme Kérosène, il n'a pas été comme Desbordeaux, il n'a pas été comme Safarel. Il a dit la vérité, la réalité des faits. Les autres là, ils ont tellement faim. Ils ont tellement faim. Mais bon, c'est ça la Côte d'Ivoire. Hein? C'est ça la Côte d'Ivoire, la réalité du terrain. Famille, on est ensemble. Poussez énormément les bleus.